Je pourrais vous faire un storytelling incroyable, mais en fait, j'ai juste grossi. Voilà. Bonjour, enchantée. C'est Léa. J'ai pris du poids, quoi. Mais je m'en fous. Tu vois comme un trop, non? Non, il faut que je dise. Oui, alors sur Instagram, je vous ai dit que j'étais passée d'un taille S à un taille XL et que je le vivais super bien. N'hésite pas à t'abonner à mon Instagram. Non, en plus, c'est vrai, vas-y, abonnez-vous, là. Oh, oh. Je ne vais pas recommencer tout le début de ma prise de poids, de mes TCA, etc. J'ai fait mille et une vidéos sur le sujet en barre d'infos. Je vais vous parler donc de la dernière année, du coup ma sortie des TCA, le un an après, comment je le vis. Aujourd'hui, j'ai totalement déconstruit et accepté le fait que avoir 15 kilos en plus ou 15 kilos en moins, pas très grave, mais ça prend du temps. Je sais qu'on est dans une société où on veut toujours tout rapidement, etc., etc. Mais la guérison des TCA, des troubles alimentaires, etc., ça prend du temps. Et encore une fois, je tiens à mettre un warning alerte, etc. Arrêtez de parler des TCA quand vous êtes en plein dedans. Je vois pas mal de gens parler de leur TCA alors qu'à côté de ça, ils font des vannes sur le régime. À côté de ça, ils font des diètes. À côté de ça, ils font des jeûnes intermittents, à ce qui paraît, pour pas maigrir, mais parce qu'ils rentrent pas dans leur jean. Stop. Même si vous avez pas de TCA, arrêtez de promouvoir ce genre de choses. Je sais que c'est super dur à entendre, mais vous faites partie du problème en fait. Enfin, si vous êtes sorti des TCA, je comprends pas pourquoi. Pourquoi vous faites des vannes sur le régime, en fait ça n'a pas de sens. Peut-être que vous saisissez pas globalement ce que c'est les TCA et la maladie mentale. Si jamais vous regardez cette vidéo et que vous faites partie de ces gens, posez-vous ces questions parce que il y a un problème, vous vous rendez compte. Je vais encore avoir des coachs sportifs qui vont m'attraper par la gorge. Je ne suis pas d'accord avec vous, nous ne sommes pas d'accord, nous sommes sur des lignes différentes. Vous pouvez m'exposer vos points de vue. Je vous enverrai des vidéos et des articles qui vous diront que vous avez tort. Il y a les liens là, faites votre avis et puis vous m'en parlez pas. Voilà, c'est ce que je demande juste aux gens qui sont pro-régime, pro-coaching, diète, etc., etc. J'ai pas envie de débattre avec vous. Par la suite sur Instagram, là on va plus parler d'acceptation et de confiance, etc., etc. Donc je suis sortie des TCA et j'ai commencé à mettre en place ce qu'on appelle l'alimentation intuitive. En gros, vous pouvez appliquer l'intuitif à plein de choses, le sport, la décoration de sa maison, son style vestimentaire, etc. Depuis petit, on nous dit qu'il y a des règles, de choses à faire, des modes, de choses à pas faire, des choses à faire comme ci, comme ça, etc. Et en fait, le fait de le faire intuitivement, c'est sans battre les couilles de tout ça et de faire ce qu'on aime nous. Vous avez envie de porter un sarouel avec un crop top ou porter un sarouel avec un crop top, et au pire, si les gens ils sont pas contents, vous en foutez. Mais l'alimentation intuitive, c'est pas du tout la même chose, mais un petit peu, même si c'est encore différent parce que s'habiller c'est pas forcément un besoin primaire, alors que la nourriture oui, c'est en gros faire confiance à votre cerveau, c'est-à-dire ok, il y a des règles sociales, on s'en fout, le social c'est pas mon cerveau, mon ventre et ma faim, ma biologie. Je lui dis tu veux maigrir, il me dit non et je le force à maigrir depuis des années. Lui il me dit frérot moi j'ai la dalle, donc à chaque fois que je me restreins, que je fais des régimes etc, je me retrouve après avec des phases où je fais de la boulimie et des compulsions etc. Et si je mangeais de façon intuitive, c'est ce que j'ai fait. Donc je suis sortie du confinement, je rentrais plus dans aucun de mes jeans, genre plus du tout, et j'avais pris énormément de poids sans réellement m'en apercevoir, c'est-à-dire que moi quand je me vois dans le miroir, pendant très longtemps je me suis vue très grosse et ensuite je me suis vue normale, voire plutôt bien foutue, tu vois. Et pourtant j'avais pris du poids, mais il faut savoir que ça fait des années et des années et des années que je n'ai plus de balance, parce que pour moi ça ne rime à rien. Donc j'avais fait ma vie, j'avais mangé, etc. Donc j'avais mangé surtout par compulsion, donc j'ai pris beaucoup de poids et ensuite j'ai vu que j'avais grossi, et au lieu de paniquer, d'être en pression, de me dire oh mais meuf t'as les vacances et tout là, dans pas longtemps, faut que tu fasses un régime, etc. Je me suis dit, bon, si tu arrêtais de répéter la recette que tu fais depuis tant d'années et qui fonctionne pas, et que tu tentais de prendre un autre chemin, tu vois, genre, vu que tu fais que des échecs, au lieu de me dire que j'étais une merde, c'est la vidéo sur la méritocratie, je me suis dit c'est peut-être un signe que je suis pas sur le bon chemin, donc j'ai pris un autre chemin, c'est-à-dire que j'ai décidé de refaire confiance à mon corps. Je mange ce dont j'ai envie de manger, et quand j'ai plus faim je m'arrête, et quand j'ai faim je mange, quand j'ai pas faim je mange pas. Si à la moitié de mon assiette j'en veux plus, je m'arrête. Si j'ai envie d'une gaufre au chocolat, je la mange. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode oh ah là là, ça veut dire que tu prônes le fait de manger tout et n'importe quoi. Alors non, votre corps et votre cerveau il est pas là pour vous saboter, enfin c'est lui votre meilleur allié, genre c'est pas la société, les règles sociales, le truc et tout, non c'est lui. Écoutez-vous vous-même un petit peu, un tantinet, faites-vous confiance. J'ai pas de problème d'obésité, j'ai pas de problème de poids, etc. J'ai mes hormones qui fonctionnent entièrement et tout ça, donc j'ai ma leptine qui me dit quand j'ai plus faim, etc. Je me fais confiance et à partir de là, j'ai commencé à écouter mon corps. Donc c'est des phases, hein. Donc au début, évidemment, vu que j'ai passé toute ma vie à me restreindre, mon cerveau, il a fait la chose qu'il faisait le plus, c'est-à-dire grailler à mort, genre maintenant que je peux manger tout ce que je veux, je vais manger ce que je veux. Mais croyez-moi que quand t'as passé une semaine, voire trois jours, même deux jours à manger ce que tu voulais, c'est-à-dire tout et n'importe quoi, t'es dégoûté. Genre j'étais en mode meuf mais non t'en veux pas, donc n'en mange pas. Le cerveau se souvient, c'est à dire qu'il sait que vous avez des phases où vous mangez pas et des phases où vous mangez beaucoup, donc ce qu'il va faire c'est qu'il va vivre les phases de restriction comme une torture, et quand vous allez manger beaucoup il va stocker deux fois plus de graisse parce qu'il va se dire si elle nous refait une phase de famine là va falloir qu'on stocke, donc vous grossissez beaucoup plus en faisant des régimes sur le long terme. Bon bref, j'ai dit qu'on rentrait pas dans le débat du régime. Donc j'ai commencé à manger comme j'avais envie, mon cerveau était en mode mais qu'est-ce qu'elle fait, mais attends genre elle m'écoute enfin et tout. Donc au début c'était un peu une phase un peu bordélique, et au fur et à mesure, ben, je mangeais des choses de plus en plus
saine. Ce mot, les mots healthy, sain, etc. En mode, ça c'est des méchants aliments, ça c'est des engièges aliments, ça il faut pas. Tout ça, je ne veux plus en entendre parler. C'est encore une fois, évidemment, maintenant on a accès à des choses de moins en moins bonnes, etc. Mais c'est galère de se nourrir. On va pas commencer à culpabiliser les gens de se nourrir. Enfin, le problème, il est bien plus intense qu'un problème de volonté. En mode, c'est parce que tu manges mal ou c'est parce que tu fais pas assez de sport. Enfin, je veux dire, c'est bien plus que ça et c'est bien plus complexe que ça. Et si vous pensez que c'est toujours ça, bah, désolé de vous dire ça, mais vous êtes dans le faux. Si vous pensez que c'est juste un facteur seul d'une personne qui a zéro volonté, que c'est pour ça qu'elle est grosse, vous êtes dans le faux. Vos seuls arguments ne pourront jamais être validés. Enfin, je veux dire, une personne qui est grosse, peut-être parce qu'elle a une maladie, c'est peut-être parce que toute sa vie elle a eu la pression pour maigrir et qu'elle a fait des régimes et qu'aujourd'hui elle a pris le trip. Enfin, il y a mille et une raisons de grossir dans la vie qui est bien plus que parce que t'as zéro volonté ou parce que tu fais pas de sport. Bref, donc avant de partir en vacances, vu que moi je consomme très peu de vêtements, fait bien que je prenne des t-shirts et des shorts. Et donc je suis allée faire une activité qui me passionne à 0%, c'est-à-dire faire du shopping. Chaque fois on me dit, ah, tu veux pas aller faire du shopping? Non. T'es là, t'es avec tes habits, t'as chaud. Ensuite tu rentres pas. Ensuite tu vois dans ton miroir qui te déforme que tu ressembles à tout sauf ce que tu pensais toi en arrivant là. Ta confiance elle descend. C'est ce qui s'est passé. J'ai fait 3-4 magasins. Je suis sortie de là, j'étais en larmes. En mode, il y a 3 ans donc, je faisais du 36, du S. Et il y a encore quelques années en arrière, je m'habillais en taille enfant. Et j'étais super contente en mode, hey, moi je m'habille en taille enfant et tout. Et pourtant, je me trouvais si grosse et je complexais deux fois plus que ce que je complexe aujourd'hui. Grossir, ça a toujours été, évidemment, vu que j'étais élevée comme ça, c'est totalement grossophobe. J'en avais pas conscience. La grossophobie, on va pas se dire « Ah oui, je suis grossophobe, haha, c'est cool !» Non, évidemment, c'est quelque chose qui est ancré. Genre, c'est comme le racisme. Genre, il y a plein de gens qui sont racistes, mais ils s'en rendent même pas compte qu'ils le sont. C'est genre le déni. Tant je l'étais totalement, c'est-à-dire que pour moi, j'avais juste peur de devenir grosse. Comme si grosse était synonyme d'être moche, d'être une mauvaise personne, etc. Surtout que j'ai ma maman, comme je vous ai dit, elle a aussi des TCA qui matrixait là-dedans et qui ne m'a jamais fait réellement de réflexion à moi et qui elle se trouvait grosse. Et moi, bah du coup, j'ai intériorisé ça et pour moi, être grosse, c'était être malheureux vu que si ma mère était malheureuse, c'est parce qu'elle était grosse. Alors qu'en vrai, c'est si simple et si raccourci alors que c'est plus compliqué, évidemment. Mais moi, je suis une enfant, je suis éduquée comme ça. C'est pour ça qu'il faut éviter de faire des enfants à tort et à travers. C'est pas le débat, mais vous filez à vos enfants vos propres failles, vos propres vides, vos propres complexes, vos propres troubles psychologiques. Plus de ça, la télé, les médias, etc., ils te répètent sans arrêt. Il faut maigrir, il faut être mince, ah là là, la mauvaise santé, etc, etc, bref. Bah quand je suis allée faire les magasins, je rentrais plus du tout dans du S, ni dans du M. Alors du coup, bah je me suis dit, bah ils sont chelous, leurs magasins, tu vois. Non mais en vrai, j'avais vu, j'avais grossi, je rentrais plus dans rien. Mais non, mais j'étais dans le déni, en mode c'est pas possible. Alors du coup, je me suis dit que c'était le truc qui taillait mal, ou moi, mon corps qui était trop moche. Et du coup, j'ai acheté des grands t-shirts qui m'arrivent jusqu'au mollet. Comme ça, pas de problème. Si j'ignore mon corps, si mon corps n'existe pas, y a pas de problème. J'ai décidé de me cacher. Enfin, le corps que j'avais était pour moi un échec. Et psychologiquement, j'étais pas prête à encaisser ça. Et donc, on est parti. Et pendant les vacances, je me suis retrouvée, bah, du coup, à crapahuter dans les rochers, à marcher, à faire des activités physiques, sportives, à faire de l'escalade. Enfin, bref, on s'est dépensé à mort. Et tous les jours, on faisait des activités où bah, on mettait de l'énergie en place. Et quand je suis rentrée de mes 2 semaines de vacances, au bout de 2-3 jours à redevenir sédentaire, j'ai dit à mon copain, je peux pas, je déborde d'énergie, en plus j'ai arrêté de fumer. C'est une vidéo sur mon arrêt des drogues. Et je lui dis, je vais péter un câble, je peux pas, j'ai trop d'énergie en moi, mon cœur me dit, mais il faut que tu t'actives. Et du coup, je me suis inscrite à la salle de sport. Pas pour ce besoin de paraître, mais ce besoin d'être. Je l'ai pas fait comme je le faisais depuis des années par but de maigrir. J'avais complètement arrêté de vouloir perdre du poids. Et puis finalement, on tape un deuxième confinement, les salles de sport elles referment. Et là, ça a été douloureux pour moi parce que pour moi, le sport, ça a été un moyen d'aller mieux psychologiquement. Et j'étais en mode... Et du coup, je suis repartie dans une phase où bah, je faisais plus trop d'activité physique et au bout de quelques semaines, je suis en mode non, c'est plus possible. Ton corps en a besoin, l'endorphine dans l'activité physique, c'est un besoin vital. J'ai déjà fait une IGTV dessus que je vous mettrai ici sur comment le sport est devenu aussi anxiogène pour beaucoup de gens. Et du coup, là, ça va faire un an. Je fais plusieurs activités. Dès qu'il s'agit de pouvoir aller se balader, aller se promener, etc., etc., je le fais en marchant. J'essaie d'aller faire toujours mes courses en marchant. Activité physique, ça veut pas dire du sport, c'est juste marcher, sortir, s'aérer. Après, c'est pas tous les jours possibles, mais globalement dans ma semaine c'est quasi 5 jours sur 7 où je fais une activité qui me laisse pas sédentaire. En un an, j'ai ni grossi ni maigri, mais je me suis tonifiée. Alors je vais vous mettre une photo d'un avant après. Je supporte pas faire ça parce que le but est pas de montrer que j'ai maigri ou que j'ai fait ci ou que j'ai fait ça parce qu'on s'en fout. J'aimerais bien vous faire une vidéo une semaine dans mon assiette, mais je sais que c'est quand même assez culpabilisant de se comparer à l'autre, etc. Mais à la fois j'aimerais bien vous le montrer dans le sens où
j'ai envie de vous dire que quand on mange intuitivement, ça veut pas dire qu'on mange tout et n'importe quoi. Des fois j'ai envie des trucs frais, des fois j'ai pas faim, des fois j'ai envie d'une soupe, des fois j'ai envie de manger des gâteaux. Je me mets zéro règle, je mange ce que j'ai envie de manger. Du coup, depuis que je fais ça, bah déjà je mange beaucoup moins qu'avant, parce qu'avant je mangeais plus par compulsion que par envie. Et surtout, bah je complexe pas, j'ai plus tout ça en fait, juste je mange. Quand j'ai pas faim, je mange pas, je culpabilise jamais. J'apprécie chaque instant, je mange avec plaisir, je croque avec amour, je prends mon temps, je mastique, je redécouvre la nourriture, je redécouvre tout ça. Et ma vision de la bouffe, elle a totalement changé, mes goûts ont changé. Quand tu te bases sur la balance et que tu vois tu grossis, vu qu'on t'a toujours dit que c'était quelque chose de mauvais, bah tu pleures. Il est arrivé le temps où il faut que je m'habille, parce que je rentre plus dans mes sapes, que j'arrête d'être dans le déni. Je rentre plus dans du S, dans du M. Au bout d'un moment, je vais pas rester en grand t-shirt tout le temps, alors que bon, quand les gens ils disent ouais j'ai un beau corps, on leur dit oui gnagnon tu te la pètes, et quand ils disent j'ai un beau corps, on leur dit gnagnon tu dis ça parce que tu veux qu'on te rassure. Moi je trouve que j'ai un beau corps, les gens qui sont soit d'accord ou pas, je m'en branle. Comme je vous dis tout à l'heure, ben je vais à la salle et donc je soulève des poids sa mère, ça veut dire que j'ai pris du cul. J'avais pas de cul avant, j'ai un cul maintenant. J'ai pris 15 cm de tour de hanche, et quand je prends mes mesures, là en un an avec le sport et l'alimentation intuitive, j'ai pris des pecs, des fesses, mais pas de la taille et pas des cuisses non plus, mais un petit peu des bras. Alors que d'habitude, je fais des régimes, je me prive, je me fais du mal tout le temps et je grossis quand même. Là, au final, je me suis pas privée, j'ai fait du sport pour mon être et j'ai pas bougé, je suis restée stable. Ça faisait un milliard d'années que j'étais pas restée stable sur mon poids. Là, j'échoue pas en fait, j'échoue en rien. Moi, je veux juste être bien dans ma tête. J'ai pris mes mensurations pour regarder ce qu'il fallait comme taille, puisque je ne connais plus ma taille. Et aujourd'hui, je fais du L. Et sur les sites de fast fashion, je ne vous conseille pas, évidemment, même si je sais que pour certains, c'est compliqué, c'est pas le débat de est-ce qu'il faut consommer, etc. Mais il faut que je trouve une alternative, parce qu'il faut bien que je me sape au bout d'un moment. Genre sur les sites de fast fashion, quand même aller voir si je pouvais pas me prendre une ou deux pièces, parce que je rentre vraiment plus dans aucun de mes pantalons. Socialement cool de prendre des fesses pourtant, mais du coup je fais du XL maintenant. Alors que les XL, socialement, c'est pas cool. T'arrives pas en disant hey, salut, moi je fais du XL. Pourquoi en fait ? J'ai jamais été en aussi bonne santé physique, mentale que depuis que j'ai pris ces 15 kilos. J'ai jamais été aussi heureuse, épanouie et bien dans mon corps que depuis que j'ai grossi, que depuis que je fais du XL. J'ai complètement déconstruit le fait que le poids définissait mon bonheur. Et évidemment, c'est pas simple. C'est pas en claquant des doigts en mode ouais, salut, je suis body positif, je fais des hashtags et c'est bon. Non, c'est une déconstruction tellement intense et profonde et ça se fait pas du jour au lendemain. D'abord, je suis sortie des CCA, ça m'a pris 10 ans. Ensuite, j'ai re-appris à manger petit à petit, à redécouvrir l'alimentation. Ça fait un an. Alors évidemment, je suis aujourd'hui, je peux pas dire toujours à 100% sûr, mais je suis quasi sûre que je retomberai pas dedans. Néanmoins, c'est encore un combat que je vis au quotidien, pas pour ne pas y retomber, mais pour accepter. Des fois, je me vois, je me dis, ah t'as vu, t'es grosse, t'es un bourrelet. Mais on s'en fout, arrête de te focaliser là-dessus, on s'en fout. Le XL, psychologiquement, c'est dur. C'est pas en mode, ah super, etc. Parce qu'on m'a tellement bassiné toute ma vie en disant que c'était un poids de gros et que le gros c'était horrible. Alors que non, je sais pas, je suis bien dans mon corps. En fait, je le trouve grave cool, ok, il a des courbes, il a des formes, etc. etc. Mais un M, ok, j'y rentre. Mais c'est pour être saucissonné toute une journée et pas être à l'aise dans mes vêtements et au final que ça m'aille pas du tout parce que j'accepte pas d'être dans la bonne taille. Voilà, je m'en fous, j'ai pris une taille. Est-ce que ça va changer ma vie? Est-ce que ça va me rendre plus malheureuse? Non. Est-ce que ça va changer le regard des gens? Peut-être. Mais le regard des gens qui vont dire ah, elle a grossi, ah, nanana, je m'en fous de ces gens. C'est pas des gens que je veux dans ma vie, donc ça fait un tri déjà direct. On va pas s'emmerder à faire du social avec tout le monde. Point. Genre, s'ils me trouvent pas assez bien pour eux, ils balayent leur chemin, ils vont trouver des gens assez bien pour eux. Il y a plein de gens qui vont me trouver très bien. Il y a plein de gens là qui regardent cette vidéo et qui disent mais Léa, mais t'es très bien, mais pourquoi tu dis ça, etc. Et ceux qui pensent ou qui jugent mon corps en me disant que je suis trop grosse, c'est des gens qui sont pas bien dans le leur. Du coup, je vous fais un câlin à distance, je le prends pas mal, c'est pas grave. Un jour, j'espère que vous vous sentirez bien dans votre corps. Et moi-même, quelques années en arrière, je faisais partie de ces gens qui jugeaient tout le monde sur leur corps. Parce que j'étais pas bien dans le mien. Je vais pas aller rajouter une pierre à l'édifice en disant haha, t'as vu, on n'est pas là pour ça. Moi je suis solidaire. Si t'es pas bien dans ton corps, ben, je te souhaite d'être bien un jour. Arrêtez de juger autrui, c'est déjà une bonne chose et une bonne thérapie pour soi-même. Le jugement qu'on émet sur les choses, etc., c'est hyper important. Et puis quand on voit la courbe, il y a plus de gens qui font du 40 que de gens qui font du S. C'est pas vos combats, c'est pas vos problèmes. Si quelqu'un est en surpoids ou en sous-poids, ben, je pense qu'il en souffre déjà assez du regard des autres pour que vous arrivez, vous lui lancez une autre pierre. Mais j'aimerais bien, je pense, vous faire une vidéo ou un IGTV sur Instagram pour vous parler de comment j'ai fait pour arrêter de prendre personnellement les remarques négatives des gens. Je fais vraiment toutes ces vidéos dans le but de vous déculpabiliser au max. Arrêtez de vous mettre la pression, les seuls bourreaux c'est vous-même en fait. Donc voilà, c'est pour vous montrer que un poids sur la balance, un poids dans les vêtements, ça veut strictement rien dire. Et en fait j'étais en plus mauvaise santé quand j'étais mince. Mais les gens qui sont minces, vous pensez qu'ils sont en bonne santé tous? Non, c'est n'importe quoi. Quand vous voyez les filles qui font du body, tu sais, genre les compètes, vous pensez qu'elles sont en bonne santé, elles font des malaises, elles font des cures ou elles mangent rien. Alors leur corps ne suit plus. Et pourtant,
ah oui, ah oui, une shape qui va bien, etc. Et après, quand les gens sont gros, ah, t'as vu, t'es gros, t'es en mauvaise santé. Au bout d'un moment, il faut être cohérent, genre. Cohérent dans vos discours. Vous pouvez pas dire à quelqu'un juste en voyant son poids s'il est en bonne ou en mauvaise santé. Le discours est erroné. Parce que je vois pas pourquoi on applaudirait les meufs qui font des malaises, etc. Parce qu'elles ont des tablettes de chocolat en disant ça, c'est le corps parfait. Faut vraiment réussir à faire la part des choses et à réapprendre petit à petit à manger. Plein de livres d'alimentation intuitive, plein de nouveaux diététiciens qui s'intéressent à ça et qui sont contre les régimes, etc. etc. C'est quelque chose qui se met petit à petit en place et j'en suis ravie. Donc voilà, à Skip, je suis une petite patate, mais je suis une petite patate très heureuse. Cette vidéo vous aura plu. Ah, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, à me soutenir financièrement sur le Patreon. On partage plein d'amour partout. C'est vraiment plein d'amour, plein de réflexions et tout. Voilà, voilà.